Donc, la dernière partie, vous étiez dans le fond au lac, au forteresse du lac Latcheval, et vous avez eu des informations. Il y a Patton qui est revenu et il vous a dit que il y a des morts-vivants qui sont revenus à la vie dans Zlorit. Dans le fond, tous les morts qu'il y a eu durant la guerre ont été ramenés à la vie. Et il y a eu un mur de protection magique autour de la ville de Zlorit. Vous avez donc continué d'entendre un petit peu l'histoire qu'il disait, et vous avez appris que le rituel s'était passé dans un cimetière qui était au nord du village des réfugiés et un petit peu au sud de d'Ilmaine. Donc, vous avez décidé de vous rendre là. Et vous avez commencé à explorer le cimetière. Vous êtes rentré dans une crypte. Et dans la crypte, vous êtes tombé sur une petite caverne que vous étiez en train d'explorer. Et la partie a terminé que vous aviez trouvé un escalier dans la caverne et vous étiez rendu dans une autre partie cachée qu'il y avait dans la crypte. Donc aujourd'hui, on a un nouveau personnage, donc le personnage c'est Bellus Regnos. Donc Bellus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage? Oups, désolé, je venais de muter sans le vouloir. On va pas aller par quatre chemins vis-à-vis de Bellus Regnos. C'est vraiment un pur barbare. D'ailleurs, classe barbare lui-même de race humaine. Rien à dire là-dessus. Je dois définir quoi de plus d'ailleurs en parlant de ça? Juste. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux donner un peu de background ou quelque chose, tu y vas. Si t'as rien d'autre à dire, t'as rien d'autre à dire. Hein? Lui donner du background. Voyons voir. Que pourrais-je dire de plus? Sais, Quoi? si t'as rien, y a rien non plus. C'est pas. C'est un nouveau Oui. personnage. C'est bien, mais comment il est arrivé ici? Ça c'est moi qui va s'en occuper d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Arrête, parce que moi, le seul background que j'ai eu envie de dire là tout de suite, comme quoi il avait donné un nom à sa hache. Pour dire le niveau! Mais vis-à-vis de ça, disons que. Pff, voyons voir. Cheveux noirs, blanc de peau. Non, je suis pas raciste. Et disons que. Pff, on va partir sur des yeux marrons, tout simplement. C'est également quelqu'un d'assez fonce dans le tas, comme vous l'aurez deviné à sa classe en elle-même. Mais il a quand même certaines connaissances en combat. Il saura être tactique quand il le faudra. Du moins, c'est ce que je pense. Parce que si je me loupe, ben, je me loupe. Parfait. Bon, mis à part ça, je ne vois pas vraiment quoi dire de plus, donc on peut enchaîner. Donc, Bellus, ton personnage, il vit dans une contrée au nord d'un pays qui s'appelle Ilmaine, dans une petite tribu humaine. T'as une couple de petits villages avec des petites tribus humaines de barbares qui sont dans ces coins-là. Au sud d'où tu vis, c'est un gros pays montagneux, rempli de nains. Et un jour, il y a un mage qui est arrivé, un homme un petit peu étrange, un elfe en fait un peu étrange, qui était aveugle. Il avait perdu ses yeux. Et au lieu d'un de ses yeux, il y avait une pierre précieuse qui était là. Et malgré tout, il avait l'air d'être capable de voir. Donc, cette personne-là disait s'appeler Mot Celeb. Et dans le fond, il est arrivé et a cherché dans le fond quelqu'un pour accomplir une quête. Tu t'es porté volontaire. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est dans le fond, la quête était vraiment simple. Il allait téléporter dans un cimetière.
et qui était au sud d'Allemagne. Et dans le fond, il allait te donner une bague. Et l'idée, c'était tout simplement de mettre cette bague-là, qui est une unité magique, pour être capable de contrer un sort qui était sur une petite statue qui ressemble à un crâne avec deux lumières magiques sur les côtés. Donc, il a dit Donc, il que. m'a donné une bombe, si on peut dire. Il va te donner quoi, tu dis? Donc, en fait, il m'a donné une bague qui peut contrer un mauvais sort, Oui. si j'en conclus. Et qui te dit si tu fais cette quête-là, je vais te donner. Dans le fond, il te demande qu'est-ce que tu aimerais avoir comme récompense pour cette quête-là. Récompense. Vous demandez quelle récompense pourrait avoir un barbare? Bah, de l'or. La Parfait. richesse, si je puis dire. Enfin, du moins, c'est pour le moment ce que je désire. Parfait. Donc, il dit, écoute, si tu fais cette quête-là, je te donne 500 pièces d'or. Oh! Qu'est-ce que c'est gentil. Inutile de dire que j'ai pas non plus baragouiner pendant des heures. Je vais me contenter tout simplement d'accepter sa généreuse proposition. Donc, tu te fais donner la bague et tu te fais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu as des points en sorcellerie? Je n'ai qu'un seul point en sorcellerie, mais j'en ai. Ok, parfait. Donc, tu as une petite idée de comment utiliser la bague. Donc, tu te fais téléporter. T'arrives devant le cimetière. Je vais. Donc, vous avez. T'arrives dans le fond devant le cimetière où est-ce que tu vois que il y a une charrette qui est là avec deux chevaux. Sinon, il y a une entrée avec des zombies qui sont morts un peu partout. Ouais, quelqu'un, on dirait que quelqu'un a déjà fait le ménage, quoi. Donc, tu continues le chemin et tu arrives devant une porte et tu rentres dans la porte, tu rentres dans une caverne, puis tu vois d'autres morts-vivants, des squelettes qui sont morts. Puis tu finis par tomber sur un escalier. Donc, je vais te mettre ton personnage. Et ton tour, ça va être dans le fond le dernier tour, ce que tu vas rattraper les joueurs. Il n'y a aucun souci, juste que je vous voyais. Tac, tac. Ok, d'accord. Je suis prêt à commencer. Par contre, petite parenthèse avant, la bague en elle-même, tu as dit qu'elle pouvait contrer des sorts, mais il a spécifié quel sort spécialement ou. Il t'a dit que il y avait une petite statuette qui a la forme d'un crâne avec deux flammes magiques sur les côtés. D'accord, c'est à ça que ça va servir. Ok, bon, je suis prêt à commencer. Glorin. Vous arrivez, vous descendez les escaliers tous ensemble et tu vois à ta droite qu'il y a un mort-vivant. Tu vois aussi qu'il y a quelques portes un petit peu partout dans la pièce où vous êtes. Ben, il va faire long feu, le mort-vivant.
faire mon boulot, hein. Sauf que là, je suis pas sur la Les bonne panneaux. carte. T'es pas sur la bonne. Ah, j'ai fait. T'es sur la bonne carte. T'es juste pas trouvé, là. Moi, Je je vais te suis toujours sur l'ancienne carte. Je vois l'escalier et je vois le barbare devant taguer. l'escalier. Ah, dans ce cas, en fait, faut juste que tu scrolles vers la droite. T'as une autre Ouais. pièce. D'accord, oui, c'est vrai. Ok, oui, c'est vrai. On était là, c'est vrai. On rappelle plus. Alors. Je vérifie juste un truc. Eh ben écoute, je charge. Voilà. Parfait. C'est un squelette ou un zombie? Je C'est sais un pas comment ça zombie. s'appelle. Donc, que je vérifie. Est-ce que c'est. Bien qui fiche fonctionne la partie. Sept, est-ce que ça passe? Pardon, 9 avec la charge. Oui. Ok. Eh La bien, vie est 8. heureuse. La... Bon. Donc, tu as eu combien? 8 avec la lame rouge. Sorti la lame rouge. Parfait. Parce qu'il s'est enflammé. Donc, Brûle. le zombie est toujours en vie, mais tu as fait mal. Garde maintenant. S'approche. Et fait son attaque. Réussi. Bonsoir. Et achève le zombie. C'est une porte ici? Oui. Là, il y Donc, en a une là, je suppose. ouais. Et une troisième là-bas. Oui. Il n'y en a que trois en tout. Ben, je sais ça. Oui, il y en a que trois. Non, ben, en fait, il y en a deux ici, là. Il y en a une en haut Ah puis une à oui, il droite. y en a une là, d'accord, ok. Donc, les autres personnages se promènent et s'assurent qu'il n'y a rien qui vous tombe dans le dos. Donc, Bélus. Oui. Bah j'imagine. Je regarde. Juste pour information, il manquait juste un point. Ok. Passer niveau 7. Ok, donc là t'es niveau 7. Si j'ai bien Ah, déjà? compris. Ok. Parfait, là Bon, t'es. juste. T'es. Manifester. Donc, Bélus, t'arrives en bas de l'escalier, tu vois qu'il y a un groupe d'aventuriers qui viennent de tuer un zombie. Et les points d'expérience, quand que dans le fond il y a un monstre qui se fait tuer, tout le monde gagne un point d'expérience. Donc, Bélus, Moins tu un. as gagné un point d'expérience aussi. D'accord. Donc, niveau 7 qui gagne un point d'expérience supplémentaire. 120. Laisse-moi juste regarder vite fait combien il faut pour atteindre le niveau 8. Niveau 8. Il est déjà dit niveau Bah, 7? t'es. Non, t'es. Non, t'es Ah, niveau donc c'est 6, seulement là. le niveau. D'accord, donc alors c'est moi qui ai peut-être mal compris. Ok, niveau 6, 101 XP sur 120. Parfait. Parfait, donc.
Le. Ton tour se résume à juste arriver dans la pièce, Bellus. Et tu peux aussi. Tu sais, vous pouvez parler ensemble pendant que vous êtes tous là. Juste avant qu'on discute, je voulais juste savoir, du coup, ça me donne quoi le niveau 7? Oui. Nouveau 7. T'as un point de vie supplémentaire. Et ta compétence de classe, donc celle que tu avais choisie, c'était sorcellerie, c'est x2. Donc ma sorcellerie passe à 4. Non, bah si, oui, c'est ça. Okay. Et le zombie avait pas de loot. Donc, Glorin, Bellus, vous vous rencontrez et donc qu'est-ce que vous faites? Je pense que je prends l'initiative. À moins qu'il ait entendu mes pas, personne. Non? Vas-y, vas-y. Dans ce cas, je prends l'initiative. Je vais commencer par regarder autour de moi, voir ce petit peuple, si je puis dire. Et tout simplement m'exprimer. Alors, c'est vous qui avez fait la boucherie d'or? On m'a envoyé ici en échange d'une belle bourse garnie. Vous êtes là pourquoi vous? Nous sommes là afin de mettre fin à un rituel maléfique et Oh. à pourfendre un seigneur du mal, si je peux m'exprimer ainsi. Je me Je présente, je vois. me nomme Glorin, fils de Troin. Moi, c'est Je juste suis un Bellus Fontaine. fier descendant des nains Bellus et Agnos. je suis un Ah, pardon. prêtre de la guerre. Il est arrivé. Et Et vous? moi, c'est juste Bellus Ragnos. Un barbare humain, comme vous pouvez voir. Et pour ma part, ce qui m'attire, c'est l'argent. Je suis ici pour ceci, pour une bourse garnie au fond de ma poche. Et d'ailleurs, celui qui m'a envoyé ici était un. Comment on appelle ça? C'était un elfe. Il semble aveugle. Un de ses yeux était muni d'une. Ah, comment vous appelez ça déjà? D'une sorte de pierre. Assez étrange. Il a accepté de m'envoyer ici en échange d'une bourse une fois que le travail serait fini. Bref, si je comprends bien, vous êtes un mercenaire. On ne peut plus. Enfin. Eh bien, nous allons voir ce que vous valez. Oh, mais testez, testez donc. Bien. Sur ce, moi, je me dirige vers la première porte qui est juste à côté. Et Parfait. je vais l'ouvrir. Donc, tu ouvres la porte et tu tombes sur deux zombies. J'imagine que j'ai l'air en renfort. Vu que je Est-ce que dois un peu. deux cases, c'est suffisant pour charger ou pas? Trois cases. Comment? C'est trois cases. Trois cases. Bon, bah, je vais juste faire une attaque normale. Dans ce cas, je vais me décaler sur le côté pour laisser les petits copains se radiner. Vas-y, fais ton. Oh, un beau Ça critique. part bien, ça. Eh Allez, ouvrez. bien. 22. Parfait, donc tu t'achèves, Oui. le zombie. Je viens de le décapiter. Je Et dirais sa la même tête si je le reste. s'enflamme. Est-ce que sa tête s'enflamme quand je le décapite?
HRP, je proteste. À peine je suis arrivé, il fait déjà la vedette. T'avais qu'à pas être en retard. Donc oui, la tête du mort-vivant prend feu et roule à terre. Ah, mais c'est qu'il paraît il paraîtrait presque effrayant. Gérard, c'est à toi. Alors, personnellement, mon personnage, lui, n'a pas de nanitude, alors... il va pas faire pareil. Je sais que t'aimes pas les nains. Non, ça c'était HRP ce que j'ai dit, alors ne mélangeons pas tout. Mais c'est parce que tu les comprends pas, c'est pour ça. Alors, toujours HRP. Non, je comprends. En tant que joueur, je comprends très bien les nains parce que, en fait, c'est juste à la bonne hauteur quand tu as pas de barre pour t'accouder dessus et t'appuyer pour reposer un petit peu une des jambes. Alors. Bah, si tu tiens tes roubignoles, tu peux toujours essayer. Bien. Au lieu de faire du mélange de HRP et de RP, moi, je pense que mon personnage va aller essayer de saluer le second adversaire. Donc. Vas-y. Et c'est un petit peu moins bien que son camarade, mais quand même. Mais tu touches. Et bien sûr, et... le petit mot RP. Casse pas ta lance cette fois-ci. Benoît, je crois qu'on devrait plutôt faire jouer notre camarade au donjon de Nalbuck. Il est d'une heure, comment dire, taquine. Alors, toujours HRP. Moi, en tant que joueur, je regarde mon camarade et je lui fais « Nalbuck, sors de ce corps de joueur !» Pardon. Il est un petit peu bizarre, votre pote. Désolé, fallait que je le dise. Je déconne. Oui, mais enfin, fais bien attention à la différence de lorsque je dis que c'est du... Comment dire ? C'est ce que dit le personnage, et puis lorsque c'est quelque chose qui est dit en dehors de ce que dit le personnage. Sinon, ce n'est pas amusant. Alors, RP, c'est roleplay, HRP, c'est roleplay. Oui, je sais. Ah bon. Ou alors, moi, ce que j'aime bien, c'est... Il faut préciser quand le personnage parle, et tout le reste du temps, tout ce que tu dis n'est pas ce que dit le personnage. Parce que si tu fais l'inverse, ce qui est drôle, enfin, qui peut être drôle, surtout pour le maître de jeu... Ça va être le retour de bâton. Tu as le joueur qui éternue, il lui arrive quoi que ce soit... son personnage est dans une situation délicate, il parle à un roi, faut qu'il fasse attention à ce qu'il dise, et le joueur dit merde, putain, enfin voilà, il sort son dictionnaire d'injures parce qu'il s'est cogné, il s'est fait mal, ou il s'est passé quelque chose qui fait qu'il, à ce moment-là, il n'a pas été poli. Et là, le maître de jeu, pour rire, lui fait, eh bien, alors vous avez offensé le roi. Ouais, le locuteur l'a pris très mal. Bon, bref, il disait Pépin. Donc, rejoint votre petite fête de zombies et achève le zombie contre qui tu te battais, Gérard. Ça, le gel fouille les deux pièces qui étaient près de lui et réalise qu'il n'y a rien. Et Eliros va regarder... Le couloir pour voir qu'est-ce qui est. Et s'il y a quelque chose de spécial. J'ai une question super importante.
Le zombie, quand c'était vivant, c'était un mâle ou une femelle? Je... Pourquoi tu veux faire de la nécrophilie? C'est ça que je pensais. C'est une femme. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, comment embêter un maître de jeu en une leçon? Lui poser le truc, la question improbable. Alors, c'est une femme, c'est très inquiétant. Et l'autre, c'était aussi une femme? Je te rappelle que c'est audience générale la partie. L'autre, oui, non, tu sais non. Pas l'autre. C'est trop la décomposition est comme trop avancée pour le dire. Alors parce que c'est une femme, Gerhardt, vous voyez sa personnalité là, prend un air deux fois plus dégoûté que si ça avait été un homme. J'ai tué une femme. Ah ouais, mais elle était déjà morte. Mais je savais le prendre comment. Est-ce que les zombies ont quelque chose? Trois pièces d'or. Et après, c'est moi qu'on va traiter de personne ayant des idées perverses. C'est lui qui fouille les cadavres de zombies. Ah. Ah. Bah moi, je suis désolé, je fais mon boulot de nain. Donc, Bellus, c'est à toi. Eh bien, bon, je vais mélanger. Déjà, petite question avant ceci. Est-ce que c'est des portes que je vois ici? Non. Non. Ou des passages? Parce que non. C'est un bout du mur qui est un petit peu défoncé. Prendre des racines de quelque chose qui pousse. T'es dans une grotte, t'es en dessous de la terre, là, présentement. Oui, je me doute. Toutes les portes viennent d'être ouvertes. Bon, mec. Alors, les gars, c'est le truc que je peux faire, à la limite, c'est attendre. Bah, le temps, en fait, pour continuer. Je pense pas que je vais y aller solo, quand même. C'est ennuyeux, quoi. Donc. Donc, t'attends un tour? Je pense que le seul truc que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de la porte avec les deux, Glorim et Gerhardt, pour déjà, j'imagine qu'ils, je suis sûr qu'ils ont massacré d'après ce que j'ai vu, mais juste histoire de jeter un œil pour voir si ils sont mis sur ça. Mais ni plus ni rien. Parfait. Okay. Ah, ni plus. Glorin, c'est à ton tour. Alors, je ressors. Et du coup, en passant, je demande à la soldat s'il a vu quelque chose. Il dit non, il n'y a rien de spécial, c'est juste des pièces vides. Ok. Et je m'approche de Salogel, et puis de Salogel, de Lyros, et puis je dis attends, ne va pas tout seul. Ça peut être dangereux. Non, de toute façon, c'est juste des zombies qui est ici, fait que c'est pas la fin du monde. Mais, oui, mais on sait jamais. Il pourrait y avoir beaucoup d'ennemis. Alors, je sais pas, j'ai pas calculé, mais j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, j'arrive que là. Gerhard. Espérant que ces créatures ne soient pas accompagnées de quelque chose de plus atroce encore. Tu en doutes? Du bout du pied, il bouscule un petit une extrémité de la créature qui gît au sol. Il a toujours un air extrêmement dégoûté. Et continue à commenter. Je ne sais pas qui nous a envoyé ça, mais je suis pas pressé de croiser donc ce fou ou cette folle, parce que franchement, c'est horrible.
Oh, moi personnellement, ça me va. Plus vite je le croiserai, plus vite j'aurai ma paye. Ah, mais je vais pas compter les bonus en plus de l'aura bénéfique. Voilà, sauf erreur de ma part, ça m'emmène là. Et donc, Ra a vu son camarade tripatouiller de la pointe du pied la dépouille au sol, faire un demi-tour et, avec un visage presque verdâtre, s'éloigner avec la main apposée sur la bouche. Une fois qu'il eut fini de parler. Fait. Donc, rejoint Glorin dans sa logelle. Suivant. Enfin, sa logelle se rend jusque-là et arrête son mouvement. Ok, Ilios. Parenthèse HRP. Pour savoir, là, étant donné qu'on est dans une pièce où il n'y a pas de combat ni quoi que ce soit, on compte les pas que les personnages font par rapport à, comme si on était en combat ou pas du tout? Oui. Généralement, non, mais vous êtes encore en combat, même s'il n'y a pas d'ennemis, tu sais, dans les pièces que vous êtes, il y a d'autres ennemis, c'est pas loin, là. D'accord. Quand c'est ton tour, tu peux te déplacer maximum de 12 cases. Et puis, ça serait tellement dommage qu'on se dispute pour une histoire de déplacement. Oh, c'est juste pour savoir. Et là, tu as le joueur qui te regarde avec un air très sévère et qui tambourine des doigts sur la table. Hein. Je mis en pause. 12 cases maximum. Isn't Mr. Anderson? Sir Anderson. Oh, boucherie. Vu que je n'ai pas de vision sur la santé de tout le monde, Eliros, Ra et Guerra sont dans quel état? Liros, il va bien. Ra avec Gérard, salut de te le dire. Il a perdu sa langue. Bah, disons que mon personnage il peut pas deviner la question si tu poses pas la question. Ah, j'ai dit, je regarde, je surveillais l'état de tout le monde, donc du coup, je voudrais savoir dans quel état tu es. Pour l'instant, Gérard se sent assez guéri pour se déplacer 12 cases et assez dégoûté pour s'être mis la main devant la bouche en s'éloignant. Parfait, donc c'est maintenant aux ennemis. Heureusement qu'Eliros m'écoute, hein. Vous êtes tous là en un tour, là. Il va se retrouver en PLS. La Hop, prochaine mauvais fois, dé. j'essaierai de l'intimider un peu plus que ça, parce que. D'user de mon leadership là parce que il est parti Pour une tout fois seul. que tu sers à quelque chose. Pense en moins, il a pas écouté ce que j'ai dit. Fait, lui, c'est De pas un base, ils sont critique. Hein. au moins critiques.
Maintenant, celui que c'est un critique. D'ailleurs, HRP, pour savoir, lorsque les ennemis attaquent en masse comme ça, les dégâts sont cumulés? Je veux dire, les attaques sont cumulées en fait pour passer au-dessus de la défense? Non. D'accord. Non, j'ai juste tout roulé les dés en même temps pour que ce soit non, plus mais c'était simple. juste pour... Ouais, c'était juste pour savoir. Tu n'octroies pas de bonus de prise en tenaille. Donc, Bélus, c'est à toi. Donc, on a dit maximum 12 pas, c'est ça? 12 cases? 12 cases, ouais. Puis, tu peux faire des cases dans tous les sens. En diagonale, ça compte pour une aussi. Ouais, je sais, mais je pense que je vais aller l'aider parce que bon, c'est un petit peu moi un des bourrins de l'équipe, quoi. Donc, bon, si je vais pas l'aider, il va pas survivre longtemps, mais comme c'est parti. 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, attends, le prochain à jouer, c'est probablement Salogel, j'aurai pas le temps d'aller plus loin, donc écoute. Je vais m'avancer jusqu'ici, prêt à passer, mais je vais quand même laisser la place à Salogel de passer en premier pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas la place de passer à deux. Salogel, c'est un archer, il va rester en arrière tout le temps. De quoi? Salogel, c'est un archer, il va rester en arrière tout le temps. D'accord, bah écoute, si jamais il va rester derrière moi. Bah c'est vrai. Dans ce cas, je me passais prêt à... Je vais y aller. Voilà. Ben, malheureusement, je peux plus avancer ni quoi que ce soit, donc je pense que... Parfait. Glorin, c'est à toi. C'est pas possible. Eh bien, je ne peux pas arriver jusqu'au contact, donc je vais utiliser mon tour à balancer un soin. Sur le pauvre Eliros qui m'a pas écouté. Ah bah là, il s'est littéralement jeté dans la merde. La gueule du loup. Et donc, c'est 3, 10, donc 15 points, jure. Ah mais ça... Parfait. Donc, il est. Il est. Full. Full heal. Gérard. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Gérard profite de sa capacité de se déplacer 12 cases et ouais. Tente donc, quitte à gêner ses camarades, à se rapprocher de l'action. Suivant. Ra aussi prend son temps pour se déplacer. Ça le gel vient se placer à l'intérieur de la pièce. Et les roses. Lance un sort et ça tue un des zombies. C'est maintenant aux ennemis qui attaquent Eliros et seulement un réussi. Mmh.
Bellus, c'est à toi. Allez, hop. Donc, j'imagine que pour le coup, je peux pas... 3, 6, 7, 9... 10, 11... Bon, je pense que je vais pas lésiner sur les moyens pour le coup. Sauf que... dans les nouvelles règles, attaquer coûte un certain nombre de points d'action. Oui, en effet. Néanmoins, la charge ne coûte aucun point d'action. Effectivement. Tu peux pas... Pour charger, il faut que tu charges en ligne droite. Ouais, mais t'es pas obligé d'attaquer un ennemi face à toi. Tu peux attaquer l'ennemi, puis là, l'attaquer comme de côté. Fait qu'il peut se mettre ici, puis il va en fait une ligne droite. Ou être sur le coin là, puis être une ligne... Alors, faites une ligne droite. Attends, dans les règles, ressortez où tu es, les amis. Bon, c'est déjà, le... 10... Non, j'ai même... La ligne droite, je considère... je considère l'enlever que ça soit en ligne droite. D'accord. Petite question par rapport à la propriété de l'arme. Est-ce que cela me permettrait, par exemple, admettons que je me mette juste derrière le zombie, là, de l'attaquer en diagonale si je suis si je suis juste ici, admettons. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Benoît, nous remettre sur Discord le truc des règles. Ouais. Moi, je les ai devant les yeux, c'est pour ça. Okay. Alors, moi, par contre, si vous permettez, je souhaiterais poser une petite question à tous les participants. Est-ce que le problème que nous avons eu par le passé avec le son de notre camarade donc Thorin, est-ce que ça a disparu? Benoît? Plus ou moins là. D'accord. Au moins 3 cases pour pouvoir faire une charge, c'est bien ça. Donc, mais vas-y, Bellus, tu peux faire ton attaque, là. Tu peux être ici, puis attaquer. Oui, par contre, on peut faire l'attaque, déjà. Oui, mais justement, j'avais compté, en fait, jusque-là, et si tu veux, si je me mets là, ça va faire pile 12 points, donc, malheureusement, c'est pour ça que je ne pourrais pas attaquer par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi, en fait, ne pas me placer là, justement, et, en fait, tenter de charger. Après, je sais pas si la longueur suffira. Mais tu peux, ça te coûte 0 point de charger. Donc si tu te rends à tes 12 déplacements, tu peux faire ton attaque de charge aussi. D'accord. Bah écoute, on va tenter. Écoute, premier jet, voyons voir si je vais avoir de la chance. Tac, si j'ai bonne mémoire. La charge revient à être de 12 faces. Bon, la charge attends, j'ai un bonus de 2 tac tac plus la puissance du personnage compte pour la charge, non? La quoi tu dis? La puissance, non, la puissance compte pas dans les combats. D'accord. Bah écoute, voyons voir ce que ça fait. Mais t'as, la charge te donne plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts. D'accord. Plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts. Ça revient à frapper moi-même de ma lame, en fait, le fait de faire une charge, tout simplement. T'as pas plus que ça, toi? Tu m'as dit, en fait, de faire... je t'ai demandé, en fait, si j'ai rajouté en plus les trucs de l'attaque en... Enfin, attends. Pardon. T'as... Ok. Ton arme, vraiment, est enchantée. Fait que ça, c'est inclus dedans. D'accord. Donc, en plus, je mets l'attaque qui est par-dessus. Donc, là, on est à 12 plus 2. Attends. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, si je compte l'attaque arme plus moi-même. Si je compte juste le moi-même, on va arriver à 12. Ouais, c'est ça. C'est...
Ton arme enchantée, ça donne toujours le bonus. T'as plus un d'attaque que tu as eu au niveau 6. T'as aussi plus un d'attaque avec ta spécialisation dash à deux mains. Ça te donne plus un au dégât, plus un à l'attaque. Oui, le tout fait normalement un total de 4, en comptant plus 1 à l'arme et plus 3 aux autres, c'est-à-dire niveau, etc. Je sais plus c'est quoi ton autre point de bonus d'attaque. Combien j'ai de bonus d'attaque en tout? Non, je suis pas sûr d'où ce que ça vient. Par contre, là. Parce La que j'ai grande un hache a bonus des. Ah, d'attaque. c'est ça, la grande hache a déjà un. Ok, Ensuite, c'est ça. j'ai enchanté la hache à deux mains qui rajoute plus 1 d'attaque. Et enfin, étant donné que j'ai atteint le niveau 6, ça me rajoute encore plus 1 d'attaque. C'est ça. Fait que t'as plus 4 à Donc. l'attaque de base, puis t'as un autre plus 2 qui s'ajoute parce que tu fais une charge. Fait que, ben, tu touches le même avec tes 9, tu touchais en fait, là, parce que c'est pas une grosse armure, là, un zombie, là. Je m'attendais même à ce que ça n'en est pas du tout. Un zombie, ça a pas d'armure, fait que ça l'a 6. D'accord. Donc là, je fais un décompte des dégâts tout simple, comme si je tapais directement avec mon arme, c'est ça? C'est ça, tu roules ton dégât de ton arme avec les bonus que tu as d'habitude avec ton arme. Et t'as plus 2 Donc, aussi parce que tu as une charge. des 6 plus 5. Normalement, j'ai le bonus aussi du 2 étant donné que j'ai fait une charge. Ok. Normalement, ça devrait. Et tu as actuellement une aura bénie qui tourne. Et Ça veut c'est dire vrai quoi? aussi, hein. L'aura bénéfique octroie quoi? Ah oui, plus 1 dans les 7. Plus C'est plus 3 3. à tous tes jets. Ah ouais, d'accord. Donc, attends, si c'est un plus 3, là, ça veut dire que je vais pas faire 13 mais 16. Que Je lance t'achèves. le dé et j'espère ne pas faire 1. Oh, même. Ah bon, je pense que je prendrai les bits. Parfait. Glorin. C'est à toi. Bah écoute, hein, comme d'habitude, hein, on peut charger, on charge. Hein. Faudrait un jour qu'on essaie de faire un sandwich avec des zombies. Donc j'ai plus 7 à l'attaque. Tes goûts culinaires ont l'air très douteux. Bah, je fais quand même 8 avec mon pauvre petit 1. Parfait, tu touches. Et 12. Donc 14. T'achèves l'autre zombie. Ils se sont quasiment tous fait one shot. Gérard, c'est à toi. Gérard se prend à penser dans un coin de sa tête, pourvu que la SPZ ne nous tombe pas dessus, la Société Protectrice des Zombies, qui est l'équivalent de la protection des animaux, mais pour les zombies. Ils Alors. viennent, moi je les attends. Bah, ça va être dur parce que personne n'aime les zombies. Donc, est-ce que Veux tu fais dire. autre chose, Gérard? Alors. Bah, je finis de bouger quand même. Et quand j'arrive, donc, tout guilleret, avec mon personnage, donc, enfin, le personnage, je le fais. Voilà. Oui, je sais, c'est ridicule, mais c'est pas plus que le nain qui a fait un et qui a quand même tout défoncé. Alors. Donc à ça, bien évidemment, on rajoute tous les bonus qui ont été cités précédemment et qui ne sont pas intégrés. Parfait. Donc le zombie se fait achever. Et là, donc, Geralt finit son tour en levant son arme en l'air, en signant, comme tout bon bretteur. En faisant des gestes assez violents pour que les fluides corporels éventuels qui se trouveraient sur sa lame soient évacués par la force centripète. Et il remet donc son arme dans son flot.
Homme sweet homme. Tu remets, tu veux. T'as un fourreau pour ta lance? C'est pas une lance. Oui. Une bataille, certaines personnes que ça, sont invitées à lire le chat. Dix pièces d'or, je suppose. Oui, 10 pièces d'or. Du coup, Gerhard est dégoûté en regardant son camarade de fouiller encore un zombie. Ah bah, un nain, il fait ce qu'il faut. Des pièces d'or, crache pas dessus. C'est pour ça que les naines sont réputées comme assez, comment dire... Enfin, faut vraiment vouloir faire survivre l'espèce pour s'en approcher. Après, bon, c'est une légende, hein. Ah là là, Cherne. Que ferions-nous dans le jeu de rôle médiéval fantasy sans nains? Vous vous ennuieriez. À grand jeu, petite personne nécessaire. La valeur n'attend pas la taille, ni les années. Donc, Bellus, tu peux finir ton déplacement. Glorien Gerhard aussi, je vous laisse faire un déplacement complet pour attraper le groupe. Bon bah. Eh bien, ça, c'est un trou. Ou un escalier? C'est un escalier, mais tout est le plancher est tout démoli là, dans ce coin-là. Ôtez-vous. On peut descendre ou pas? Vous pouvez descendre. Parce que moi, du coup, je vais pas arriver là. Bah, je pense que je vais en faire de même. Et là, le joueur sort une anecdote et il fait « Je me souviens, il y a longtemps, un joueur, son personnage, fut poussé dans le vide. Un camarade pas très sympa lui a dit « Vas-y, va voir en premier, en éclaireur. » Je vais vous demander de faire... de faire un jet d'initiative. Je vais juste brasser un dé, en fait. 12? Ou 20? Un dé 12, ouais. Initiative. Bon. Bon, donc. T'es roll. Il y a un point. Alors attends, on va voir un truc. Est-ce que leadership ou connaissance tactique me donne un bonus? Non. Est-ce que quoi que ce soit dans ce monde donne un bonus pour l'initiative? Non. Du coup, c'est mon tour de lancer. Alors qu'éventuellement leadership ne le donne pas, je comprends. Mais connaissance tactique. Pourrait donner un petit bonus. Non, c'est vraiment le temps de réaction. C'est qui réagit en premier là. Fait que. Bellus, t'as pas fait G. Je fais manger. Oui, vas-y. Ok, ça va pas voler bien haut, hein. Non. C'est le cas de le dire. Wow, avec un 5, je suis le plus rapide. Bon. Je pense que les autres vont en faire de même quand ils se pointeront. Alors, attends, parce que... Ça, pour le nain, c'est le premier effet qui se coule. C'est quand il va arriver en bas qu'il va y avoir le deuxième. Ça va être drôle. Il va être cerné de plein de zombies ou un truc comme ça. Waouh, super. Et, quand on va lui demander « Qu'est-ce que tu vois ?» Il va faire « Rien, reste en haut !»
Oh, de toute manière, si lui arrive en bas, moi je sens que je vais arriver, mais genre après une roulade de quelques étages. Et comme c'est parti. Donc, vous descendez les escaliers. It's a trap. Et vous ouvrez la porte. Vous arrivez devant une porte et vous ouvrez une grande porte que vous et vous rentrez, vous voyez un tas de sarcophages qui sont un peu partout. Petite question, parce que là, je vois pas la. Non, vous voyez rien effectivement. Oui, c'est que je veux dire. Donc rendu, il fait noir, rendu au milieu de la pièce, vous arrivez, vous voyez, t'sais, au bout de la pièce, il y a une genre de petite statue au mur qui a la forme d'un squelette avec deux flammes sur les côtés. Et J'imagine que moi je. donc, comme je disais, rendu en plein milieu de la pièce, voyez tous les sarcophages qui s'ouvrent et il y a des momies qui remplissent la pièce. Oh, it's a trap!